Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans notre live YouTube, les rendez-vous Coinhouse numéro 2. Donc on va passer une heure ensemble avec une demi-heure de, de, de présentation et après on laissera une petite demi-heure aussi pour vos questions-réponses à la fin de notre présentation. Bonjour, bonsoir Manuel. Bonsoir Julien. Alors le thème ce soir, on a voulu vous proposer quelque chose d'assez différent de la dernière fois comme l'indique le titre de notre webinaire sera fondamental contre technique comment bien aborder la fin d'année sur le marché crypto. Donc on va égrener en fait avec vous plusieurs facteurs, plusieurs thèmes qui pour nous sont vraiment importants à regarder et qui font l'évolution d'un marché, qui font bouger un marché que ce soit à la hausse, à la baisse et ce sont des facteurs qui peuvent être aussi bien sur le fondamental que sur de la technique pure donc là de l'analyse graphique. Donc, euh, Manuel, on va commencer. Euh, je te laisse euh, égrener les différentes parties, euh, les principaux facteurs qu'on va voir ensemble pendant cette demi-heure. Donc, très clairement. Euh, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est si on s'interroge sur le marché des cryptoactifs et si on regarde une, euh, une crypto-monnaie une crypto en particulier, on peut se demander okay, qu'est-ce qui justifie véritablement la valeur d'une crypto-monnaie. Et donc, on a dégagé pour vous aujourd'hui six types de facteurs qu'on va vous détailler. Euh, les facteurs, ça va être l'offre et la demande, euh, l'effet de mode donc autour de la communication, euh, la différence entre le cours et la capitalisation, ce qu'on appelle les tokenomics, c'est-à-dire la gestion du nombre d'unités qui sont présentes sur le marché, la technologie sous-jacente à une cryptomonnaie et enfin euh, toutes les approches autour de l'analyse technique. Donc, on va essayer de détailler ces différents facteurs pour vraiment euh, vous donner les clés pour pouvoir analyser en détail l'intérêt et la valeur de toutes les cryptomonnaies qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui. Manuel, je te laisse commencer tout de suite avec le premier thème, l'offre et la demande, avec des basiques, mais des basiques très importants quand même à retenir pour bien, bien observer un marché et bien le comprendre. Absolument. Donc très simplement, bah, on le sait, euh, ce qui détermine le, le cours et la valeur d'une crypto c'est évidemment le cœur du marché, l'offre et la demande. Donc un cours est déterminé par l'offre et la demande. Ce n'est pas euh, particulier au marché des crypto hein. Une action, oui. une obligation ou n'importe quoi est gérée par euh, l'offre et la demande. Si vous avez l'offre euh, qui diminue ou la demande qui augmente, vous avez le cours qui augmente, et inversement. Mais, euh, bien entendu, il faut creuser un petit peu plus et se demander, bah, en particulier, quelles sont les particularités autour du marché des cryptoactifs. Alors, première particularité qui est intéressante, c'est que ce marché est, a toujours été, au moins jusqu'à aujourd'hui, entraîné par le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin est à la hausse, fondamentalement, l'ensemble du marché va venir avec et inversement. Donc, il faut toujours garder à l'esprit et toujours garder à l'œil le cours du Bitcoin. Si on regarde encore un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que habituellement sur le marché des cryptoactifs, on va avoir des cycles qui sont toujours plus ou moins identiques. À savoir que en général, vous avez le cours du Bitcoin qui va augmenter, puis ensuite il va commencer à se calmer, vous avez le cours de l'Ethereum qui va suivre avec une nouvelle hausse et quand le cours de l'Ethereum se calme, vous avez les altcoins qui prennent le relais. Mais c'est pas toujours forcément le cas, euh, et surtout dans le marché actuel, Julien. Oui, ce qu'on peut voir quand même, petite précision sur ces cycles, autant ils étaient assez simples à repérer lors du précédent, lors de la précédente phase haussière 2016-2017, où on avait des fois plusieurs mois où c'était uniquement Bitcoin qui guidait le marché, et ensuite on avait clairement une phase Ethereum et une phase après aux Al en faveur des altcoins. Là, en 2021, le marché s'est quand même complexifié, donc euh, d'où l'intérêt quand même d'avoir un bagage aussi technique et une observation fine de ces cycles. Euh, on voit des cycles quand même plus courts. Des fois, on peut avoir que quelques semaines sur Bitcoin. Et tout de suite après, on a Ethereum ou un certain secteur d'Alcoin qui vont prendre le relais. Euh, donc, il faut faire attention. Peut-être que ça s'est complexifié avec la venue des institutionnels, justement, Manuel, qui est une autre, un autre point important. Absolument. Avec l'arrivée des institutionnels en 2020, euh, on voit des caractéristiques différentes aujourd'hui du marché. Alors évidemment, on le sait, les institutionnels comme les fonds d'investissement et euh, les acteurs de la bourse, ils vont arriver avec de très fortes liquidités sur le marché. Donc bah, on va s'attendre évidemment que ça... Tire le marché à la hausse. Et on l'a vu hein, au cours des années 2020-2021, euh, des très fortes hausses qui sont surtout causées par les institutionnels. On va le voir avec euh, un certain nombre de chiffres. Oui. Mais également, euh, parce que ces institutionnels commencent aujourd'hui à utiliser des produits dérivés, tels qu'on appelle des options ou des contrats à terme, ça aura tendance à lisser euh, les cours et à éviter les très fortes fluctuations qu'on a vues dans le passé. Oui. Alors, on va illustrer justement ça avec euh, l'offre et la demande. Donc, euh... On a, c'est vrai, une volatilité comparée aux premières années, notamment des, du marché crypto et du, et du bitcoin, euh, qui a tendance à diminuer. Ça n'empêche pas des pics euh, de volatilité temporaire. Donc, il faut toujours rester prudent quand même sur ce, sur ce marché. Là, vous avez euh, une courbe justement qui vient illustrer l'importance de l'offre et de la demande, surtout quand on regarde notamment ce qu'on va appeler les gros porteurs, les gros portefeuilles. Vous avez deux courbes ici. Bon, ça s'étale à peu près sur euh, la dernière année, hein, on va dire depuis fin 2020, début 2021. Vous avez en vert le prix du bitcoin classique exprimé en dollars et vous avez en, en violet vous avez le pourcentage des vraiment des gros portefeuilles Bitcoin ceux qui détiennent entre 100 et 10 000 Bitcoin donc on parle vraiment de gros gros portefeuilles et ce que vous voyez finalement c'est que sur un an et eh ben cette part de, de, de gros portefeuilles dans l'ensemble des, des, des portefeuilles sur le marché qui détiennent des Bitcoins et eh ben augmente bien sûr vous avez des fluctuations temporaires d'ailleurs vous pourrez remarquer que quand le prix est très haut, eh ben, est cette, cette part des gros portefeuilles a tendance à baisser, un petit peu en anticipation. Donc c'est un facteur qui est important à regarder. Et à l'inverse, quand le marché est bas, et eh ben, on voit que ces gros porteurs ont tendance à recharger et leur part réaugmente. Et dernière chose à préciser tout à droite de ce graphique, vous voyez que justement actuellement, depuis début novembre, on était quand même sur une petite correction là, sur le marché. Et depuis la semaine dernière, là, depuis quelques jours, on voit un nouveau pic. Hein, vous regardez le, le, graphique, le graphique violet. On voit un pic, c'est tout d'un coup le, ce pourcentage. De, de gros portefeuilles qui est remonté. Et là, on voit depuis hier déjà le, le prix du bitcoin qui commence à se stabiliser, voire à rebondir. Donc voilà un exemple hein, d'offres et de demandes avec des gros porteurs qui viennent tarir en fait, l'offre et ça fait mécaniquement monter euh, les prix. On va passer à la seconde partie maintenant, Manuel, c'est l'effet de mode. Alors on le sait, euh, aujourd'hui, les aspects de communication autour des cryptoactifs, c'est quelque chose qui est en train de devenir extrêmement prépondérant. Et notamment, on l'a vu avec un acteur que tout le monde connaît qui s'appelle Elon Musk. Et euh, on l'a vu dans la mesure où, à chaque fois que Elon Musk balance un tweet, euh, sur le réseau euh, où il met juste le mot Bitcoin ou le mot Dogecoin, bah vous avez un, une effervescence et euh, une augmentation de la demande sur ces euh, sur actifs. À la hausse comme à la baisse d'ailleurs, parce que s'il fait des twists négatifs, immédiatement ça se ressent sur le marché. Et donc c'est des choses qui sont de plus en plus prépondérantes. Et on le voit également euh, au-delà de Elon Musk sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, euh, quelque chose qui est intéressant de considérer, c'est de mesurer, par exemple, le nombre de fois où le mot Bitcoin est prononcé sur les réseaux sociaux. Vous avez des sites qui vous permettent d'obtenir ce genre d'informations. Et alors, euh, évidemment, on peut se dire que bah, c'est très positif. Dès qu'on voit le mot Bitcoin, bah, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt et que le cours va monter. Mais ce n'est pas forcément le cas, Julien. Non, c'est ce qu'on appelle en gros le social matrix, hein, ce qui permet de, de, de mesurer en fait l'impact euh, de tel ou tel projet euh, quand, ou d'une un, crypto en particulier. Et oui, il peut y avoir des, ce qu'on appelle des bad buzz, donc des, des, des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes pour un projet. Je pense par exemple, il y avait eu un, un faux partenariat, un partenariat démenti plus tôt dans l'année avec Litecoin. Et derrière le cours, ça s'en était ressenti et on avait eu un pic des mentions Litecoin sur les réseaux. Donc il faut non seulement regarder de quel projet on parle et regarder après quand même derrière de quoi, de quoi il s'agit. Donc ça c'est l'effet euh, vraiment euh, ponctuel de la hype sur les réseaux sociaux. Après vous avez une hype plus globale, on va y revenir euh, juste après, où euh, là c'est vraiment on parle soit d'une grosse crypto, soit d'un secteur en particulier, les recherches augmentent sur Internet, là c'est ce qu'on appelle un petit peu l'euphorie et généralement c'est vrai que ces phases d'euphorie dans un premier temps elles sont liées à une hausse du marché et c'est que si elles durent trop longtemps on peut commencer à se dire Hmm, on arrive vers la fin de, 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 de cette phase, il faut en tout cas être prudent. On va regarder tout de suite euh, une illustration avec euh, Google Trends. Euh, donc ça, les Google Trends, c'est tout simplement le, les recherches de, la, la recherche dans les moteurs euh, euh, Google de tel mot, telle mention. Et là, ici, on vous a mis... Euh, Pareil, à l'horizon, on, on remonte jusqu'à début 2017. On a différentes mentions. En jaune, vous voyez la mention Bitcoin. Euh, en bleu, Ethereum. En couleur euh, rouge, rosé, les jetons non fongibles. Donc, c'est la, la mention NFT. Et puis, le métaverse euh, aussi, qui est à la mode euh, récemment. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on a quand même des pics comme ça d'intérêt dans les Google Trends qui sont assez brutaux, hein, le ratio est de 0 à 100 c'est généralement qu'on est sur euh, une phase euh, assez euphorique, les cours vont rapidement monter, généralement ça ne dure pas. vous avez derrière le, la traîne de qui retombe mais les cours qui corrigent en fait vous avez un excès et tôt ou tard cet excès est corrigé. c'est dur d'avoir le timing mais ça montre en tout cas les intérêts grandissants. Et vous voyez sur Ethereum quand même il n'y avait pas autant d'intérêts mais en 2021, ça a tendance à s'équilibrer. On a eu de nouveau un pic en début d'année. Et là, vous voyez quand même qu'on est retombé. Donc on n'est pas sur une phase d'euphorie similaire à fin 2017, début 2018 ou même au début de cette année. Et dernière chose, quand vous regardez tout à droite les, euh, ce qui est en rouge, les mentions NFT et en foncé Metaverse, vous voyez qu'on a quand même un début de, mais vraiment un tout début de, de hype sur ces termes-là. Donc c'est à surveiller, on peut être simplement au début d'une trend positive pour ce genre de, de projet. — Et là encore, voilà. C'est des, des facteurs qui peuvent vous aider à voir l'intérêt des différents projets et de voir à quel point euh, l'effet de mode peut exister. — On passe euh, à la troisième partie. C'est cours et capitalisation. Manu, tu voulais, Manuel, tu voulais euh, d'abord parler... Euh, d'une notion qui était importante entre euh, différencier les unités euh, Alors, et qui est absolument fondamentale, c'est toujours, de, de, il est important de connaître la différence entre ce qu'on appelle le cours et la capitalisation. Alors, le cours, c'est facile, hein, le, le cours du Bitcoin aujourd'hui traîne aux alentours de 56 000 mais euh, il faut considérer toujours le, le fait qu'il y ait un nombre d'unités qui est disponible sur le marché qui est limité. Et, euh, et tout simplement, si vous appliquez la formule où vous multipliez le cours d'une monnaie par la, le nombre d'unités en circulation, vous obtenez ce qu'on appelle la capitalisation. Aujourd'hui, la capitalisation du bitcoin, c'est à peu près 1000 milliards de dollars. Mais euh, ce chiffre, il a en fait un impact et un intérêt pour l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché. Et on peut dire en final que la capitalisation, c'est un facteur qui est même plus important à regarder que le cours d'une crypto-monnaie en particulier. Parce que sur certaines crypto-monnaies, vous avez un nombre d'unités qui est extrêmement important des centaines voire des milliers de milliards d'unités sur le marché et que donc euh, ce serait beaucoup plus difficile de faire augmenter leur cours et de faire donc augmenter leur capitalisation pour arriver jusqu'au niveau du bitcoin donc c'est absolument un facteur euh, qu'il faut regarder cette capitalisation et le nombre d'unités qui lui correspondent par exemple, dans le haut du tableau, on peut prendre l'exemple de XRP, euh, un prix qui est relativement bas. Mais est-ce que pour autant, le prix va vraiment augmenter On sait qu'il y a énormément d'unités euh, qui vont être mises en circulation encore euh, sur euh, sur Ripple. Vous pouvez considérer que plus vous avez d'unités pour une crypto-monnaie donnée, plus ça va être difficile que euh, l'ensemble de la capitalisation augmente. On va regarder maintenant. Euh euh, euh, Vient un graphique, cette justement, euh, capitalisation totale ou valorisation totale. Quand vous additionnez tout ce dont euh, Manuel vous a parlé, vous faites ça, vous multipliez euh, prix unitaire, nombre d'unités en circulation, vous prenez euh, sur toutes les crypto-monnaies, bah, vous obtenez la capitalisation totale du marché. Et ceci dit, ici, tout simplement, encore une fois, vous regardez depuis début 2021, et ben, globalement, on est sur un marché. Qui voit sa capitalisation grossir au fur et à mesure des mois. Bien entendu, euh, c'est pas linéaire. On sait tous, euh, au printemps, notamment au mois de mai, il y a eu une correction assez forte sur le marché. Mais globalement, on a refait des plus hauts. Depuis, on a, euh, on sait, euh, on a atteint les 3 000 milliards de capitalisation euh, plus tôt là, euh, dans, dans le mois d'octobre. Ce qui est raison. le record absolu. Le record absolu. Voilà. D'ailleurs, record absolu. Et là, on voit qu'on est dans une phase de, de correction au mois de novembre, mais au prorata de la montée en 2021. Euh, on n'est pas sur une phase en tout cas de retournement. Je terminerai juste par dire la bande orange là que vous voyez sur ce graphique, c'est un seuil qui est quand même important. Les 2400-2500 milliards ont bloqué dessus justement au printemps dernier avant de, de corriger. Là, on peut très bien se, se réappuyer dessus. Et si on voit de nouveau le marché repartir euh, haussier et la capitalisation euh, repartir à la hausse, on pourrait à nouveau, euh, c'est probable qu'on fasse de nouveaux records euh, prochainement sur, euh, sur ce marché. Dernier point sur la valorisation et euh, sur l'ensemble du marché. Il est toujours intéressant de euh, faire le, la correspondance entre la capitalisation d'une monnaie et la capitalisation de l'ensemble du marché. Et donc de voir si cette monnaie est en train de surperformer ou de sous-performer le marché. Là aussi, c'est un facteur qui est intéressant de considérer. Donc, dernier point, considérant euh, la valorisation, la capitalisation et les cours, ce sont les volumes. Le volume d'échange d'une crypto-monnaie en particulier, c'est quelque chose qu'il est toujours important de considérer et de mesurer. Parce qu'on peut considérer que le, le volume, ça mesure la dynamique d'un actif. Plus vous allez avoir de volume, plus cet actif va être euh, demandé ou euh, vendu. Et donc ça a un intérêt pour une crypto-monnaie en particulier. Et plus important également, plus vous allez avoir de volume, plus vous allez pouvoir avoir confiance dans le cours. Prends un exemple, si vous prenez une crypto-monnaie qui a très très peu de volume, qui a très très peu d'échanges, eh vous allez avoir des fluctuations qui vont être extrêmement importantes sur le cours, parce que ne serait-ce qu'une seule transaction pourra faire euh, basculer le cours à la hausse comme à la baisse. Et également, Julien pourrait avoir des effets de manipulation. Oui, c'est ça. Là, où il faut se méfier. Alors, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des opportunités, mais qui sont risquées. Si vous voyez sur une petite crypto, un altcoin, qui est peu capitalisé et qu'en plus, vous voyez de grosses fluctuations, mais peu de volume, attention, ça veut dire qu'il y a très peu de transactions qui font énormément bouger le prix. Donc, seulement un très petit nombre d'acteurs euh, est capable de faire bouger le prix et ça peut, on peut presque après arriver au stade de manipulation. Donc là-dessus, il faut faire, faut faire attention. Je vais finir sur le, sur le volume. Là, vous avez, encore une fois, avec ce graphique, pour en déduire par rapport au graphique certaines choses. Là, ce sont les volumes sur Bitcoin. Et pareil, ça on est remonté jusqu'à 2016. Et vous pouvez voir que les volumes sont croissants aussi sur Bitcoin quand on regarde d'un point de vue long terme. Bien sûr, vous avez par moments des pics de volume qui correspondent souvent d'ailleurs à des sommets de marché. C'est le cas à gauche du graphique. Vous voyez fin 2017, début 2018. Mais derrière, on a des volumes qui se sont... Stabilisés sur des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient euh, par le passé avant que le marché euh, fasse une première grosse vague haussière. Et là, début 2021, on a eu un nouveau pic de volume qui était supérieur à celui de 2021. Donc, ça prouve que sur le long terme, on a de plus en plus de capitalisation de d'acteurs qui viennent échanger euh, sur le marché du Bitcoin. Ça prouve une bonne santé euh, relative, en tout cas sur, euh, sur, euh, sur le Bitcoin. Et on peut parier qu'une bonne partie de cette hausse de volume est due aux institutionnels. Et oui, notamment. On va passer à la partie sur les tokenomics, partie importante aussi. Manière. Alors, ce qu'on appelle les tokenomics relève de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. et en gros, la, la question qui se pose, c'est quel est le modèle de création monétaire sur un actif particulier. Alors, vous voyez, ça rebondit sur la question du nombre d'unités en circulation et donc de la capitalisation, et euh, c'est toujours une question qu'il faut se poser et c'est toujours une question qu'il faut euh, observer et détailler sur une cryptomonnaie en particulier. Donc, la première question qui se pose, c'est voilà, combien est-ce qu'il y a d'unités disponibles sur le marché, et surtout, plus important, est-ce que par hasard, il y aurait des unités euh, de cette crypto qui ne sont pas en circulation? Alors on a un exemple qui est connu, Julien. Oui, euh, là on a, euh, on a CRV, euh, on a Ripple par contre, oui, c'est ça. <laughs> on avait CRV, c'est pour après. XRP, dans le haut du tableau. Euh, dont la, plus de la moitié des tokens aujourd'hui ne sont pas encore en circulation. Donc du coup, vous voyez, ça, ça diminue l'offre qui est sur le marché et potentiellement, ça crée une augmentation du cours qui est en fait totalement artificielle par rapport au nombre d'unités qui seront en circulation sur le long terme. Un autre facteur à considérer, c'est ce qu'on appelle les montants réservés aux investisseurs et aux développeurs de la première heure. Là encore, dans beaucoup de projets, vous avez une bonne partie des jetons qui sont en circulation, qui sont conservés par ces développeurs, qui ne rentrent pas sur le marché, qui diminuent la liquidité et qui donc diminuent l'offre et qui là aussi peuvent avoir un effet sur l'ensemble du marché. On parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle le staking. Et vous avez un certain nombre de crypto-monnaies, notamment euh, comme par exemple CRV, sur laquelle vous avez à peu près 80% des jetons qui sont en circulation, qui sont aujourd'hui bloqués en staking. Alors c'est très bien pour les gens qui, qui font le staking parce que ça leur permet d'avoir une rémunération. Mais là encore, ça diminue très fortement la liquidité sur le marché. Et enfin, dernier facteur, Julien, c'est cette concentration qu'on voit aujourd'hui sur les gros porteurs. Un autre, on le voit de plus en plus hein, c'est ce que j'ai montré notamment sur le graphique de, 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 tout à l'heure et ça vient, ça vient tarir en fait l'offre sur certaines cryptos et ça vient justement aider entre guillemets le cours à aller vers de, vers de nouveaux plus haut et à limiter aussi les, les baisses. On va regarder un graphique justement qui met en valeur les tokenomics et les altcoins. C'est un sujet qui est assez complexe. En fait, à chaque fois, les gens se demandent est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de Bitcoin, plus d'altcoins dans son portefeuille. En fait, ça va dépendre les cycles sur le marché. Manuel parlait donc des tokenomics. On a vu ces dernières années, quand même, un marché qui s'est diversifié, euh, qui s'est à la fois complexifié, mais qui a vu amener via des altcoins des projets quand même intéressants avec du développement et euh, de, de, de certaines, certains facteurs et des utilités derrière euh, certaines, euh, certaines cryptos. Qui amenait de l'intérêt et qui déclenchait des achats pour euh, certains coins. C'était notamment le cas fin 2000, euh, 2020 et début 2021, comme vous le voyez sur ce euh, marché, euh, sur ce graphique. On a vu justement une phase qui était favorable aux altcoins. C'était euh, la partie où on parlait beaucoup de la DeFi, on parlait déjà aussi des, des NFT. Absolument. Et donc, il y avait plein de coins qui arrivaient sur le, sur le marché et qui avaient des tokenomics intéressantes. Et là, d'ailleurs, vous voyez sur ce, sur ce graphique, en fait, c'est la valorisation des altcoins par rapport à Bitcoin. Donc pendant la première moitié de 2021, c'était intéressant. Et là, on est dans une phase où il euh, bah, y a un tri qui se fait aussi dans les projets. Et euh, on est un peu sur une neutralité, finalement, entre les performances de Bitcoin et les performances des altcoins. Donc surveillez ce genre de graphique en même temps d'une analyse fondamentale sur les tokenomics, ça peut permettre d'arbitrer au mieux son portefeuille, de timer un petit peu les moments où on va chercher des alcools intéressantes ou des moments où on va être un petit peu plus défensif et aller un peu plus vers Bitcoin. Autre facteur qui influence les tokenomics et qui en dépend directement, c'est ce qu'on appelle les facteurs de rareté intrinsèque. Alors la rareté intrinsèque, c'est bah, tout le monde sait que sur le Bitcoin on aura au maximum 21 millions d'unités, c'est ce qui fait en grande partie son intérêt aujourd'hui sur le marché. Mais euh, cette question se pose également pour euh, l'ensemble des autres actifs sur le marché. À titre d'exemple, on peut considérer Ethereum. Ethereum jusqu'à il y a quelque temps, c'était un actif qui avait une création monétaire qui était définie comme infinie euh, et donc très inflationniste. Et euh, en fait, cette création monétaire, elle a été très très fortement ralentie depuis le mois d'août avec l'arrivée de IEP 1559, qui était une évolution. Du protocole Ethereum. Alors, vous voyez le, le graphique qu'on vous a mis ici, la partie euh, entourée en rouge, vous indique que désormais, vous avez des jours et même des semaines pendant lesquelles euh, le nombre d'unités d'Ether en circulation, en fait, est en nette baisse. Et donc, euh, Ethereum est en train de devenir une monnaie déflationniste avec une rareté intrinsèque et qui, du coup, peut présenter beaucoup plus d'intérêt, notamment pour les gens qui sont sur une optique de euh, recherche de valeur à long terme. Enfin, il euh, bah, faut s'intéresser à l'ensemble du marché et on voit d'autres actifs sur lesquels il y a carrément de la création infinie. Oui, donc ça, c'est pareil, euh, un travail de sélection à faire sur ces critères-là pour déterminer euh, quels actifs on va plutôt mettre dans son portefeuille et ceux qu'on va, euh, qu qu va écarter. Par rapport à ça, il y a un autre graphique qui est important que d'autres connaissent aussi, c'est le stock-to-flow modèle. Donc là, justement, ça vient vraiment prendre en compte le critère de rareté. Euh, et là, c'est l'exemple sur le Bitcoin. Donc en fait, cet indicateur, je vais passer rapidement, mais il, il lisse en prenant en compte un petit peu le, euh, le, ce, qui, ce qui est en circulation actuellement euh, au niveau des Bitcoins et ce qui va y avoir dans le futur. Parce que vous savez, évidemment, euh, Manuel en a parlé, on sait. Qui aura 21 millions de bitcoins au maximum. Mais en plus, on sait aussi l'émission monétaire de, de bitcoins qu'il y a tous les jours. Donc, ça donne un modèle assez prévisible. Et en gros, vous avez une courbe ici sur ce graphique. Ce modèle est assez proche hein, des, 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 des véritables fluctuations du cours de bitcoin depuis le, le début. Est-ce que ça va continuer Ça, on ne sait pas. Mais. Il anticipe avec la rareté intrinsèque du Bitcoin que sur le long terme, cet actif est haussier, bien évidemment, à demande constante. Et on a de temps en temps bah, des excès, à la fois à la hausse ou à la baisse. Selon ce modèle-là, on devrait prochainement avoir un petit excès à la hausse, mais là, c'est un peu s'avancer. En tout cas, on a un prix qui devrait se stabiliser euh, dans les, à peu près dans les niveaux dans lesquels on est euh, aujourd'hui. Et on verra si on a un excès qui nous amènerait à 100 000 dollars et même plus prochainement. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est suivi depuis la création du bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Cette loi s'est toujours vérifiée. On va voir si elle continue à l'être. Oui. Un autre facteur qui est absolument fondamental à évaluer lorsqu'on s'intéresse à une crypto-monnaie, c'est la technologie qu'il y a derrière. Et donc, c'est toujours un certain nombre de, de questions qu'il est intéressant de se poser lorsqu'on évalue une crypto-monnaie en particulier, euh, et notamment en termes de développement. Alors, on le sait, à peu près 95% des projets de crypto-monnaie aujourd'hui, bah, ils reposent sur de la technologie, ils reposent sur du code informatique. Et euh, l'ensemble de ces projets, aujourd'hui, ils sont pour la plupart en open source. Alors, open source, ça veut dire que vous, moi, on peut aller consulter le code source et la façon dont il évolue. Et euh, les bonnes questions à se poser, ça va être notamment combien est-ce que vous avez de développeurs qui travaillent sur un projet euh, et est-ce qu'ils font avancer le projet rapidement Est-ce qu'on voit beaucoup de développement Est-ce qu'on voit beaucoup de modifications Est-ce qu'on voit beaucoup d'évolution Et ça, ça donne véritablement la santé technologique d'un projet et c'est très clairement un facteur qu'il faut prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à une crypto. Bien entendu, il faut évidemment considérer les points négatifs, les points, les points tels que est-ce qu'on voit des bugs, est-ce qu'on voit des hacks sur la plateforme qui, eux, sont des facteurs négatifs négatif à prendre en compte, mais qui retombe dans cette notion de d'évaluation technologique d'une crypto cryptomonnaie. Et dernier point à considérer autour de la technologie, c'est l'écosystème d'un projet. Alors l'écosystème aujourd'hui le plus important, c'est bien évidemment Ethereum, avec des, des milliers de projets qui tournent autour et qui eux aussi dépendent directement de la technologie et qui lui donnent euh, de la valeur. Si Ethereum a aujourd'hui une énorme valeur et est le deuxième actif du marché, c'est aussi parce que vous avez des milliers de projets qui en dépendent directement. On va avoir justement une application via le graphique. On veut faire sur ce point très important de la technologie et on prend évidemment Ethereum comme Manuel le disait, le projet phare avec un écosystème développé et c'est d'ailleurs la cryptomonnaie sur laquelle on voit le plus d'activité en termes de développement. Il y a beaucoup de développeurs, il y a vous savez donc les applications décentralisées et tout ce qui a autour les applications comme la DeFi, les NFT, etc. Et la deuxième version Ethereum 2 qui est en préparation. Alors, en plus on a ça qui pourrait alimenter en plus tout toute un narratif toujours autour d'Ethereum. Sur le graphique que vous voyez ici, c'est en fait la performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et vous voyez qu'évidemment, Ethereum est un actif qui est quand même plus volatile. Donc quand vous regardez sur la gauche du graphique qui date, on remonte à fin 2017, début 2018, quand on avait une phase baissière sur le marché. Évidemment, Ethereum a un peu plus souffert que Bitcoin puisqu'il est plus volatile, donc c'est vrai aussi dans les moments de baisse. Mais vous voyez que, après, dans la période 2019-2020, on a vraiment un retournement qui s'est fait sur euh, Ethereum avec justement cette séquence fin 2020, début 2021 autour de la DeFi, des NFT qui ont vraiment pris leur envol. Et là, on a Ethereum aussi qui en a profité et qui a surperformé pendant un moment euh, Bitcoin. Et c'est vrai que Bitcoin a du développement, mais c'est des développements qui prennent plus de temps. Et c'est vrai qu'Ethereum vraiment capte l'attention et propose des projets, un écosystème qui offre plus de possibilités, qui est un peu plus divers, qui est très intéressant. Et sur ce graphique, on voit que les probabilités montreraient qu'on pourrait avoir la continuation de ce retournement d'Ethereum face à Bitcoin. Ça veut dire que bon, l'ensemble du marché dans les prochains mois serait positif, mais on aurait euh, le cours de l'Ether qui s'apprécierait, qui ferait de meilleures performances par rapport à Bitcoin. Donc si on a une confirmation de la figure actuelle, ce qui n'est pas encore le cas... Ça pourrait, pareil, permettre d'aider dans des décisions d'arbitrage en disant finalement je mets un petit peu plus d'Ether à un moment donné dans mon portefeuille pour aller chercher plus de performance. Je mets un peu plus d'Ether que de Bitcoin à un moment donné pour avoir plus de performance. Donc voilà une application de la technologie appliquée à un graphique pour essayer de profiter au mieux et de se positionner au mieux sur ce marché crypto. Un autre point qui est absolument essentiel à considérer, et là encore en restant à l'intérieur de l'écosystème Ethereum, c'est le fait que euh, avec l'avènement de la finance décentralisée, on voit de plus en plus de projets aujourd'hui où on va pouvoir investir des fonds dans ce projet. Euh, on connaît des projets comme Aave par exemple dans lequel il est possible de prêter des fonds à des gens qui ont besoin euh, d'effectuer des prêts, notamment pour prendre des positions avec effet de levier. Euh, on connaît des, euh, des sites sur lesquels il est possible de déposer des fonds pour fournir de la liquidité, et l'ensemble ensemble de ces fonds, il est, capable, il est possible de les mesurer. Alors aujourd'hui, on a un facteur qui s'appelle la total value locked, c'est-à-dire la valeur totale en crypto qui est bloquée à l'intérieur de ces projets. On parle également de tous les projets autour du staking. Alors si vous regardez le graphique qui est à gauche ici, ça vous indique sur euh, un peu plus d'un an la valeur euh, en dollars qui est injectée à l'intérieur de ces projets, notamment surtout de la finance décentralisée. Vous voyez qu'on part de presque rien et on atteint un total qui est à peu près aujourd'hui aux ordres de 280 milliards de dollars. Ce que vous voyez, c'est absolument colossal. Mais ce qui est intéressant également, c'est de remarquer que euh, autant au début de l'année 2020, Ethereum était encore extrêmement prépondérant dans ce marché. Oui. Autant, vous voyez, aujourd'hui, on a vraiment une diversification du nombre d'acteurs et du nombre de projets qui captent cette valeur et dans laquelle des fonds sont aujourd'hui injectés. Julien. Donc là, typiquement, ce qu'on peut rajouter euh, rapidement avec ce graphique à droite, c'est que le marché, encore une fois, se complexifie mais se diversifie. On voit arriver récemment des, des blockchains qui développent leur écosystème et qui commencent aussi à avoir véritablement un écosystème d'applications décentralisées de NFT. On a Solana, on a Avalanche aussi euh, récemment qui fait une belle percée euh, dans le, dans, sur, sur le marché. Donc euh, on voit le, le gâteau se partage de plus en plus et donc il faut euh, être de plus, de plus en plus alerte sur ce marché et être capable de diversifier son portefeuille pour profiter de, de toutes les opportunités. Et si on regarde, si on veut vraiment pousser euh, le plus loin possible cette analyse, il est possiblement intéressant de considérer quelque chose qu'on qu appelle le ratio TVL sur market cap. Alors, sans, sans aller trop dans les détails, l'idée c'est de dire, bah, si je prends euh, un projet et que je mesure la TVL, c'est-à-dire le nombre de milliards de dollars qui sont injectés dedans et que je le divise par la market cap, ça me donne un peu un indicateur euh, de la santé de ce projet. Et en gros, bah, plus ce ratio va être faible, plus vous allez avoir beaucoup de fonds pour une faible market cap, et ça peut montrer un projet qui est particulièrement intéressant et qui, pour l'instant, est sous-évalué. Exactement. On va finir en dernière partie. Euh, là, je vais faire très rapidement parce que j'en parle euh, régulièrement une euh, semaine sur, euh, sur la chaîne YouTube de, de, de CoinHouse. Mais l'analyse technique est quand même une partie à, à part entière. On a quelques, quelques indicateurs. Là, je vais vous en présenter juste deux qu'on peut regarder et qui viennent appuyer les autres facteurs dont on a parlé avant. Sur Bitcoin, il y en a. Il y a un indicateur qui est assez intéressant pour des investisseurs long terme, qui en tout cas par le passé a fait, euh, a fait quand même euh, preuve d'un bon indicateur, c'est la moyenne mobile à 200 semaines. Donc c'est simplement euh, un indicateur. C'est une courbe, la moyenne mobile, là, comme son nom l'indique, à 200 semaines, qui va euh, lisser le cours, faire une moyenne sur les 200 dernières semaines. Donc on est quasiment sur un temps de 4 ans. C'est très long et ça vient vraiment lisser, euh, lisser le cours. Et ce qu'on voit sur ce graphique, quand vous voyez l'évolution du cours avec les points de couleur, quand ils, sont, ils virent orange-rouge, on a un écart, un excès en tout cas, comme le bitcoin est haussier, la source graphique depuis 2012. Quand on a vraiment un écart haussier, qu'on s'éloigne beaucoup de cette moyenne mobile 200, il faut faire attention. On peut être dans des phases d'excès sur le marché et on peut se dire. Il est peut-être temps de se désexposer quand même un petit peu parce que tôt ou tard, on a un retour justement à la moyenne. Et quand vous voyez les points quand ils sont bleus foncés, le cours se rappuie sur la moyenne mobile 200 semaines, euh, les cours se stabilisent, les fluctuations euh, diminuent et c'est ce généralement de bons moments pour réinvestir dans le Bitcoin dans une optique de, de long terme. Donc voilà pour cette moyenne mobile 200 semaines. Et la dernière chose pour finir, c'est le RSI. Beaucoup de personnes en parlent. Euh, ici, je ne vais pas détailler euh, totalement hein. le RSI. C'est un indicateur qui est un oscillateur. Hein. Il permet d'évaluer un petit peu la dynamique sur un marché, euh, la dynamique d'un actif. Est-ce qu'on est plutôt sur une dynamique d'achat, une dynamique de vente Vous regardez en dessous, là, sur ce graphique, je vous ai mis des zones, des rectangles verts, et des rectangles rouges. Quand on a le, cet oscillateur, il est gradué de 0 à 100. Et on a tendance à dire quand on dépasse 70, il y a une mauvaise interprétation du RSI qui va être de dire qu'on va être tout de suite dans ce qu'on appelle le surachat et qu'il faudrait vendre. Quand vous regardez la gauche de ce graphique, c'est faux. En fait ça veut dire que justement les acheteurs sont dominateurs sur le marché et qu'on rentre potentiellement dans une phase qui est favorable où les acheteurs vont dominer par rapport aux vendeurs et donc vont faire monter le cours. Il n'y a que quand le RSI passe vraiment beaucoup de temps en zone de surachat pareil que comme c'est un oscillateur, à un moment donné, on a un excès et là le RSI redescend parce que justement on a eu des ventes et le cours lui rebaisse. À l'inverse, quand on a un RSI qui est proche des 30 euh, sur Bitcoin, on a vu que, pareil, généralement, on se retire du marché à un moment, on attend que ça se restabilise, et là, c'est le bon moment pour re rentrer euh, sur le marché. Donc voilà un oscillateur qui peut nous aider, il hein, ne faut pas du tout regarder que ça, mais qui peut nous aider à timer un petit peu mieux les séquences de marché pour ces investissements. Alors, bien entendu, sur le domaine de l'analyse technique, vous avez beaucoup d'autres indicateurs, beaucoup d'autres euh, façons de pouvoir mesurer le marché. On a voulu vous donner ici juste deux euh, indicateurs simples ouais. et qui sont reconnus comme, euh, comme intéressants par Ils la plupart des... des acteurs du marché. Ouais, des classiques qui sont regardés par beaucoup de monde. On va conclure, euh, Manuel, je, Manu, je te laisse. On euh, va pouvoir euh, conclure en disant bah voilà. Aujourd'hui, on a voulu vous donner un peu les clés de ce marché. On a voulu vous montrer un peu quels sont tous les indicateurs qu'on peut euh, utiliser pour mesurer l'intérêt d'une crypto-monnaie en particulier ou de l'ensemble du marché. Et vous voyez que ces, ces facteurs, ils sont absolument multiples. On va euh, de la technologie euh, auto-économique, au nombre d'unités sur le marché, euh, à la communication, à la hype, euh, à l'ensemble du fonctionnement d'une monnaie, à la fois sur ses aspects les plus techniques comme sur les aspects euh, de, de mesure des cours et euh, qui peuvent tous avoir une influence sur le marché. Alors après, euh, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, bah, Julien, quel est, parmi tous les facteurs qu'on a donnés, l'aspect le plus prépondérant et qui nous permet de déterminer vraiment un cours Alors En fait, je vais répondre pour dire qu'il n'y en a pas un qui est prépondérant plus que l'autre. Ce qui est bien, c'est d'avoir une approche multifactorielle. Et si vous deviez retenir ce truc quelque chose, c'est que, c'est dommage d'être soit pro, uniquement pro-fondamental ou pro-technique. Euh, Il y a vraiment la complémentarité des deux approches qui peut, euh, qui peut vous permettre en fait de, euh, de mieux investir sur ce marché. Pensez que l'approche fondamentale va vous permettre d'être sélectif sur les projets et faire le tri entre les bons et les mauvais projets, et l'approche technique, elle, va vous permettre de mieux timer le marché et d'être capable d'investir ou de se retirer du marché sur des moments plus propices. Et dernière chose qu'on peut dire également, c'est qu'en règle générale, bien entendu, il n'y a pas de, de règle complètement fixe, mais en règle générale, les aspects d'analyse technique, de hype et euh, ce genre de choses vont être plus intéressants lorsqu'on est sur un marché haussier, puisque là, euh, on va être sur de la ferveur, sur euh, de ouais. l'émotion, et euh, lorsqu'on est sur un marché baissier, Là, les gens vont être beaucoup plus. Euh, euh, faire beaucoup plus attention à où est-ce qu'ils vont mettre leurs fonds. Et là, on va s'intéresser beaucoup plus à l'analyse fondamentale et au tokenomics notamment. Il y a un moment donné, c'est un peu le retour au réel où le fondamental Absolument. redevient plus, plus prépondérant. On va répondre. Merci, Merci de nous avoir suivis déjà sur cette première partie. Et je pense qu'on nous a préparé quelques, quelques questions qui ont été données dans le, dans le chat. Alors, on a Bastien qui nous demande quel est le profil des gros euh, portefeuilles. Alors, euh, ce n'est pas précisé, si c'est. je pense qu'on va parler surtout sur, sur Bitcoin, c'est ce qu'on avait analysé. En fait, il y en a vraiment deux, deux majeurs, je dirais maintenant. Il y a les, les détenteurs historiques ceux qui avaient la chance d'être là dans les premières années, les toutes premières années de Bitcoin et qui n'ont pas vendu. Donc euh, c'est aussi euh, autre chose qu'on n'a pas vendu euh, trop tôt. Donc vous avez des gens qui ont accumulé, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les wells, donc euh, les baleines. Ça c'est dans le, le jargon des, des cryptos. Donc les gens qui ont vraiment des portefeuilles, qui ont un grand nombre de Bitcoin. Et euh, s'ils font des mouvements... Euh, des mouvements significatifs, ils vont avoir un impact sur le marché. Ça peut être des particuliers comme vous et moi euh, qui vont avoir la chance, qui ont eu la chance d'être arrivés, entre guillemets, tôt euh, sur le marché, qui ont maintenant de très gros portefeuilles. Et le deuxième profil, profil c'est maintenant évidemment des institutionnels. Alors eux, ils vont agir plutôt sur les produits dérivés contrats à terme, etc. Euh, les options, peut-être un peu moins encore, mais sur des contrats, et eux, ils, euh, ils investissent à coût de, de millions euh, directement. Donc là, ce sont aussi euh, les, vraiment les, des gros porteurs aujourd'hui sur, euh, sur le marché crypto. Et pour ça, il faut surveiller euh, les volumes et ce qu'on appelle l'open interest sur des produits comme euh, le, le CME. Maintenant, donc des contrats à terme sur les CME, vous pouvez regarder un petit peu l'activité de, de ces gros portefeuilles. Alors, question, quelle est l'influence des marchés boursiers sur la crypto euh, Elle commence vraiment aujourd'hui à se faire sentir. Euh, Jusqu'en 2020, vous n'aviez que pratiquement personne euh, parmi les, ce qu'on appelle les institutionnels. Alors institutionnels, ça va être des entreprises corporate. On sait aujourd'hui par exemple que Tesla a plus de 1 milliard de dollars en, en bitcoin. Il euh, y a d'autres entreprises qui ont des, des portefeuilles encore plus gros. Mais c'est surtout ce qu'on appelle donc les fonds d'investissement qui traditionnellement étaient sur des actions, des obligations, des produits euh, standards euh, de, du monde de la finance et qui aujourd'hui sont de plus en plus en train de s'ouvrir vers le marché des cryptos. Il y avait un sondage euh, il y a quelque temps, qui disait que vous avez 36% parmi les fonds d'investissement américains qui aujourd'hui ont des portefeuilles en crypto. Alors l'influence, elle est double. Euh, on en parlait pendant notre présentation. Premièrement, euh, comme disait Julien il y a quelques secondes, c'est des gens qui vont arriver sur le marché avec des millions, voire des milliards de dollars et qui donc vont avoir un effet à la hausse sur le marché. Mais c'est aussi des gens, comme on l'a dit, qui vont utiliser ce qu'on appelle des produits dérivés. Et ces produits dérivés vont avoir tendance en général à lisser les cours et à empêcher les très fortes fluctuations. On peut quand même dire que euh, globalement ça a un effet positif dans la mesure où on a de plus en plus de liquidités qui arrivent sur le marché et qui donc ça a tendance à tirer le marché vers la hausse. Je rajouterais juste rapidement sur l'aspect technique, euh, ce que l'essentiel a été dit. Sur l'influence, il faut bien retenir la notion d'actifs risqués et d'actifs plutôt refuge. C'est une question délicate pour Bitcoin parce que certains euh, voient, le, le voit comme un actif qui peut être protecteur. Euh, ça c'est un autre débat, notamment contre l'inflation. Par contre, je dirais au niveau des altcoins, on peut plus facilement les qualifier en termes d'actifs risqués et on peut quand même, il y a une influence des marchés boursiers, notamment quand on regarde les indices américains ou même des actions. On voit un comportement des investisseurs. Il y a des phases où ils sont ce qu'on appelle risk-on, donc ils ont une propension à prendre du risque et vous allez voir les bourses qui sont plutôt en tendance haussière et généralement ça peut aussi se répercuter, c'est plutôt bon pour les crypto-monnaies. Et si jamais on est dans des phases de risk-off, ça peut aussi quand même avoir un impact encore aujourd'hui sur beaucoup de crypto-monnaies qui sont toujours considérées aussi dans la famille des actifs risqués. Alors, il y a une question intéressante sur qu'est-ce que le burn sur ETH Alors, je vais expliquer très brièvement. Euh, Jusqu'au mois d'août 2021, euh, à chaque fois que vous faisiez une, une transaction sur le réseau Ethereum, vous deviez payer une commission. Et cette commission, elle était versée aux mineurs. Depuis le mois d'août 2021, euh, cette commission, elle est brûlée. En fait, elle est détruite. Et donc, vous avez une destruction euh, d'Ether sur le marché. Et cette destruction, bien entendu, elle a un impact sur les tokenomics, elle a un impact sur le cours, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait devenir Ethereum une monnaie beaucoup plus déflationniste. Ça veut dire que sur le long terme, vous aurez beaucoup moins d'éthers qui seront disponibles sur le marché, ça rend la rareté intrinsèque des terres plus grande, et du coup, on peut se dire que bah, sur le moyen-long terme, ça devrait avoir une conséquence relativement positive sur le cours, et faire que Ethereum commence à ressembler plus... Uh, du bitcoin en tant que réserve de valeur plutôt qu'en tant que monnaie inflationniste. On va voir, 2022 sera une année intéressante pour cela sur, sur Ethereum. On nous fait euh, une remarque, question. Ni vous nous avez présenté des graphiques qui sont intéressants pour l'analyse fondamentale. Pensez-vous nous les pousser régulièrement à l'avenir Alors, il y a deux choses. Pas forcément, mais il euh, y a déjà quand même des choses euh, sur euh, plus le fondamental qui sont faits euh, chez CoinHouse. Notamment, vous avez euh, une revue de presse qui parle justement dans, dans les actualités chaque semaine d'un certain nombre d'aspects fondamentaux que vous pouvez, vous pouvez retrouver sur notre site euh, coinhouse.fr euh, Coinhouse et euh, pour .com. nos coinhouse.com. Ouais. Pardon. Et euh, vous avez aussi pour les clients, euh, par contre pour nos clients euh, premium, on a par contre, c'est vrai, une analyse euh, supplémentaire chaque semaine qui est poussée, qui, euh, euh, qui est poussée à ces clients par mail et qui euh, va leur indiquer un petit peu comment euh, les investisseurs euh, réagissent sur les marchés avec des données euh, plutôt on-chain ou des données sur les contrats à terme, etc. Donc il y a quand même du choix déjà qui est. Qui est proposé. Et comme on vous le disait pendant notre présentation, euh, pour vraiment, véritablement réussir à évaluer le marché et l'intérêt d'une crypto-monnaie, les deux facteurs sont intéressants à considérer et euh, nécessaires à observer. Euh, question sur le minage de l'éther. Est-ce euh, que le minage de l'Ether est rentable à l'heure actuelle Alors, oui et non. Euh, effectivement, aujourd'hui, si vous avez du matériel et que vous l'utilisez pour miner de l'Ethereum, vous pouvez gagner de l'argent. Euh, et vous pouvez même gagner pas mal d'argent. Bien entendu, il faut considérer les coûts en électricité et il faut bien entendu considérer les coûts en achat de matériel. Et euh, ces coûts, ils sont absolument pas négligeables. Vous pouvez compter au minimum à, à peu près 5000 euros euh, pour acheter le minimum d'une machine qui puisse miner de l'éther. Et euh, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de prendre ces 5000 euros et d'acheter de l'éther ou une autre crypto-monnaie euh, Parce que, bah, évidemment, Tant que vous n'avez pas remboursé euh, l'achat de votre matériel, vous ne gagnez pas d'argent. Euh, donc la question se pose très clairement. Aujourd'hui, sur un marché haussier d'autant plus, euh, il est potentiellement plus intéressant aujourd'hui d'acheter de l'Ether que d'acheter du matériel de minage. On nous pose une autre question. Pourquoi chez CoinHouse, il n'y a pas de l'ETC, donc de l'Ethereum classique à l'achat et à la vente Eh bien ça reprend un petit peu les critères qu'on a égrénés euh, pendant la, la présentation. Euh... En fait, l'Ethereum classique, déjà, euh, historiquement, euh, il y a eu une séparation, hein, euh, on ne va pas y revenir, entre l'Ethereum classique après et l'Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, euh, ETH, et aujourd'hui, tout le développement. Et le, le côté fondamental est parti, en tout cas l'essentiel est parti côté ETH. Et on a aussi beaucoup moins de volume sur Ethereum classique. On voit justement des fois des mouvements de prix assez erratiques. Et euh, c'est un projet qui n'est pas non plus dans la hype et les effets de mode qu'on voit ces dernières années euh, sur le marché crypto, c'est-à-dire qui va être lié à la finance décentralisée ou au monde des NFT, etc. Donc, pour ces raisons, on doit faire des choix de listing et euh, l'Ethereum classique n'est pas dans le top de cette liste à l'heure actuelle. Et très simplement, vous voyez, tous les, tous les facteurs que nous avons égrenés aujourd'hui qui, euh, qui permettent d'évaluer l'intérêt d'une crypto-monnaie, ce sont les facteurs que CoinHouse utilise au quotidien pour décider d'ajouter ou pas euh, une monnaie sur son, sur son site. Et euh, vraiment, nous, nous avons toujours essayé d'avoir de, de, un équilibre entre ces actifs, parce qu'on pourrait très bien proposer 200 ou 300 actifs, comme vous pouvez trouver sur d'autres sites, mais on a toujours voulu proposer des actifs que nous considérons qui ont une véritable valeur euh, à l'aune de ces euh, différents critères qu'on vous a exposés. Alors, on va quand même vous faire plaisir en annonçant qu'il y a quand même des, des, des cryptos qui vont arriver prochainement. Notamment, je vois le, le Terra Luna, il est dans, dans, dans cette liste qui va arriver. Et côté, côté NFT, toute cette famille, on a déjà Engine et il y a Axie Infinity qui va, qui va arriver prochainement sur la plateforme. Donc, vous allez avoir au fur et à mesure de plus en plus de choix. On a également uh, DYDX qui va arriver sur notre plateforme. Ouais. Et euh, donc vous voyez, okay. on, on essaye constamment d'évaluer euh, le marché et de, de faire entrer des, des nouveaux acteurs, notamment des, des choses comme Axi Infinity dont on vient de parler, euh, qui traînent beaucoup autour de l'univers des NFT et du gaming qui est aujourd'hui en plein développement. Ouais. Euh, Question, est-ce qu'on peut ouvrir un compte chez Coinhouse pour une société Bien évidemment, euh, on a à la fois des clients particuliers et des clients entreprises et euh, ça pose absolument aucun problème. On nous dit, il euh, y a Hugo qui nous demande, euh, ça revient, que pensez-vous du euh, XRP Ripple Pensez-vous qu'il pourra prendre de la valeur Je vais, je parle purement sur la partie euh, analyse technique, et Emmanuel, je te laisserai peut-être compléter, euh, repréciser ce qu'on a dit sur les fondamentaux. En fait, sur XRP, il faut bien se rendre compte, et j'en avais parlé dans les vidéos hebdomadaires que je fais, on voit bien sur 2020-2021 que XRP était vraiment dans le top du tableau en 2016-2017, il y avait une dynamique haussière. Et c'est moins le cas, euh, en tout cas pour l'instant, euh, cette année, alors qu'on a des coins qui sont liés au secteur de la DeFi, au secteur des NFT, qui sont sur de nouveaux records. Euh, XRP, lui, n'a pas euh, rebattu son record des euh, 3 dollars et quelques qu'il avait fait euh, début 2018. Donc, en fait, purement, de toute façon, quand on regarde d'un point de vue de l'analyse technique et notamment le fort décrochage qu'il y a eu en mai dernier, on est sur euh, un actif qui peine à regagner un momentum haussier. Donc on a des seuils qu'on peut surveiller, mais à ce jour, le XRP ne les a pas franchis et ne nécessite pas, euh, à mon sens, une attention particulière comparée à d'autres coins qui sont beaucoup plus en forme. — Sur le point de vue fondamental, euh, ce qu'on peut dire sur XRP, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont eu un certain nombre d'ennuis avec euh, la SEC, c'est-à-dire le gendarme de la bourse américaine, euh, qui a cherché à requalifier le produit XRP en tant qu'actif euh, boursier, euh, qui donc aurait été bien plus euh, rigoureusement observé et traité par les autorités américaines. Euh, donc tout ça, est, a priori, c'est en train d'être résolu mais euh, il reste encore un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, des développeurs de, de Ripple. Euh, et enfin, une autre chose qu'on peut dire, c'est que bah, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait véritablement bouger le marché aujourd'hui Ça va être surtout euh, ce qu'on appelle les plateformes de smart contract. On a cité Ethereum, on a cité Avalanche, on a cité Solana. Et euh, on se dit que bah, XRP, ça fait un peu une crypto-monnaie qui est un peu vieux jeu, parce que justement, elle n'a pas cette notion de smart contract. Et euh, bah, on est un peu resté sur une crypto-monnaie qui date de 2017 et qui n'a pas forcément euh, fondamentalement évolué dans sa technologie. Et ça, c'est relativement négatif sur le marché quand on voit des produits extrêmement innovants qui arrivent. Ouais. Alors, une question de Michael qui nous dit euh, Bonsoir, à quand le staking chez Coinhouse euh, l'application aussi pour smartphone. Alors, euh, l'application pour smartphones, on peut vous dire c'est qu'elle devrait arriver euh, là euh, à la fin de l'année. Donc euh, aux Spoiler. horizons des fêtes. <laughs> voilà, encore un de spoil, donc euh, euh, encore un peu de, de patience, mais c'est en tout cas les, les dernières infos qu'on a de notre, de notre côté. Et euh, je ne vais pas parler de staking à proprement parler, mais il y a aussi des produits euh, qui vont arriver, notamment euh, des allocations. Euh, et des produits qui sont déjà arrivés. Des produits qui sont déjà arrivés, euh, notamment, on parle du livret crypto. Voilà, c euh, vous pouvez euh, investir euh, sur un livret qui va vous permettre d'être avec le stablecoin, c'est l'USDT, et il va s'étendre à l'USDC aussi. Et euh, alors, c'est quand même un produit qui est intéressant parce que c'est pour la première fois vous avez sur le marché un produit sur lequel vous pouvez obtenir un rendement qui est garanti et un rendement de 6,5%. Et euh, donc, à notre connaissance, personne aujourd'hui ne fait ça sur le marché. Donc on est très content de pouvoir aujourd'hui proposer ce genre de produit à la vente. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là et on a tout un tas d'autres produits en préparation qui vont être plus complexes que juste proposer à la vente de l'achat et euh, des, des cryptos. Voilà, et ce taux, c'est bien un taux qui est, qui est annualisé et euh, on peut trouver des taux des fois qui sont euh, plus élevés mais qui sont des taux variables qui changent tous les jours. Donc c'est bien ça la différence avec euh, le et 6,5% qu'on qu propose au livret crypto euh, Coinhouse. Euh, je vais prendre une question qui est intéressante, c'est euh, sur Sandbox, Decentraland, les métaverses et tout ce qui s'ensuit. Mm. Alors, juste une petite définition. Euh, Qu'est-ce que c'est que le métaverse Alors, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Ready Player One, c'est ça le métaverse. Donc, euh, c'est l'idée d'être plongé dans un univers virtuel, la plupart du temps avec un casque de réalité virtuelle, et de pouvoir accéder à tout un tas de services qui peuvent être des jeux vidéo, qui peuvent être des réseaux sociaux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, cette notion elle est vraiment aujourd'hui en train de prendre forme avec des acteurs aussi majeurs que Facebook, qui ont décidé de mettre, je crois, 50 millions de dollars pour développer le métaverse à l'intérieur de l'écosystème Facebook et euh, de proposer des, des, des produits qui seront potentiellement très intéressants. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la technologie commence à se rapprocher de, de la possibilité de créer ce genre d'univers, de créer ce genre de service. Euh, Aujourd'hui, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas énormément encore de véritables applications, mais que vous êtes en train d'avoir des acteurs qui se positionnent sur le marché. Donc euh, très clairement, on a vu Sandbox, on a vu Decentraland, et, euh, et très clairement, Julien, on voit des, les cours de ces actifs qui sont en train d'exploser sur le marché. Tu vas peut-être oui. en dire un mot On oui, est clairement, là, quand, vous, quand on regarde vraiment la catégorie métaverse, donc là, Engine, Decentraland, Axi Infinity, Sandbox. Ils sont tous sur les dernières semaines en phase de hausse. Donc là, on est clairement, voilà, sur une période, euh, sur une phase d'euphorie sur ce secteur-là. On est quand même derrière. On a une notion euh, de fondamental, comme euh, Manuel l'a expliqué. Après, bien entendu, on sent quand même poindre euh, cette phase un petit peu d'excès qui va finir oui. tôt ou tard par une correction, parce que. L'un des facteurs, c'est la multiplication aussi des projets qui ne vont pas être tous de la même qualité. Vous commencez à avoir une multiplication, c'est toujours un petit peu le même, le même principe. Et puis au bout d'un moment, il y, a le, il y a le retour au réel. Ça peut durer encore des semaines comme ça, hein, mais euh, on aura quand même aussi des, des, des signaux annonciateurs. En tout cas, il faudra être prudent à un moment donné parce qu'on aura euh, aussi une correction euh, sur ce, sur ce secteur-là. Et très clairement, bah, euh, comme on l'a vu avec euh, l'intelligence artificielle, comme on l'a vu avec le big data, comme on l'a vu même avec la blockchain, euh, avec très clairement ICO, euh, avec les ICO, ICO aujourd'hui, on est en train de, de ouais. rentrer dans cette phase de hype et euh, de, 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 de concept qui est très très à la mode et euh, qui va révolutionner l'ensemble de tous les processus de l'humanité. Mmh. Euh, à voir, il y aura. Potentiellement des, des choses qui vont être intéressantes, qui vont être développées, mais pour aujourd'hui, ça reste encore relativement euh, peu développé. Voilà, ça se fait généralement quand même dans le temps, dans le temps long. Euh, on a une question qui nous dit concernant la notion de, de bull run. Un événement historique ne peut pas être attendu euh, car historique. Donc la question tourne autour de la notion de manipulation euh, psy, et, et de la psychologie euh, autour du bull run. Alors, et si je comment, bien, on, euh, comment on détermine quand le bull run commence Ouais, voilà déjà, déjà ça c'est pas pas évident et euh, on, on le voit quand même au niveau de, de, de volume de prix qui sont euh, recassés à la hausse de, de, depuis depuis ne l'avaient pas été depuis un moment sur l'aspect psychologie du marché il faut faire attention quand même euh, avec ça ce qu'on a dit au bout d'un moment c'est ces phases d'euphorie peuvent quand même on vous a parlé de plusieurs facteurs elles peuvent se détecter quand même sur Notamment, on vous a parlé de la hype et de la communication. Donc quand on commence à avoir des mentions qui se multiplient sur Internet, on a aussi l'aspect médiatique. On n'en a pas parlé euh, tout à l'heure. Mais ça, quand vous avez des médias euh, mainstream qui parlent pas, euh, typiquement d'un sujet qui commence à en parler euh, très très régulièrement, ça doit être des, des signaux qui doivent vous dire qu'on arrive quand même dans une phase... Euh, Ou le bull run, on est, on est sur une psychologie où il faut faire attention, on arrive en fin de, en fin de bull run, et après sur un événement historique, après ça c'est ce qu'on appelle des fois les black swans sur les marchés, il y a des événements qui sont imprévisibles, et ça, ça la seule chose, le seul moyen d'y faire face c'est d'avoir une bonne gestion justement de son portefeuille et d'équilibrer en permanence en fonction de, de l'évolution des cours. Alors il a une question sur la fiscalité, l'idée euh, que, euh, euh, quel est l'avenir de la flat tax en France. Alors pour rappel, aujourd'hui, euh, si vous détenez des cryptos, euh, l'État ne va pas venir vous embêter, il ne va rien vous demander. Par contre, le jour où vous revendez vos cryptos et que vous obtenez des euros, là vous devez payer euh, une flat tax de 30% sur les bénéfices que vous aurez effectués. Alors, d'après ce que nous on a pu entendre à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement qui est prévu autour de ce sujet. Euh, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'il y a un député euh, il y a quelque temps qui s'appelle Pierre Person qui a fait une série de propositions pour pouvoir euh, modifier cet état de fait et qui no notamment aurait permis euh, d'investir euh, les bénéfices sur les cryptos dans des entreprises euh, qui donc aurait euh, permis de défiscaliser les profits sur les cryptos. Malheureusement, ces euh, amendements ont été euh, rejetés et euh, donc aujourd'hui, a priori, on va rester sur le même modèle de 30% sur les bénéfices euh, autour de la flat tax. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme question Pour finir, on a encore 5 cinq, cinq petites minutes. Euh, une question auxquelles on peut répondre rapidement de Dominique qui nous dit quel site de qualité nous conseillez-vous pour nous informer sur les projets crypto. Il y en a plein. Sur le fondamental, il y a notamment The Block, il y a the block Crypto qu'on peut regarder euh, pour être informé. Euh, euh, en français, on peut citer le journal du coin. Ouais. Euh, on peut citer Cryptoast. C'est écrit cryptoast.fr, euh, je pense il euh, y en a quelques-uns comme ça ça c'est pour l'actualité euh, et tout simplement, euh, euh, tout simplement notre académie aussi, on a beaucoup de ressources sur coinhouse.com il y a, bien y a également les newsletters et euh, les informations que Coinhouse produit ouais. au quotidien euh, notamment toutes les semaines on fait une, une revue de presse qui essaie d'aller piocher un peu les, les informations les plus intéressantes et qui vous les envoie sous la forme d'une newsletter ouais. euh, Voilà, ça peut vous donner quelques éléments pour, pour suivre l'actualité autour du marché voilà. Euh, D'autres questions On a la place pour euh, une ou deux euh, dernières questions. Euh, Alors, je vais prendre, juste Daniel, une question. Ouais. Euh, on avait une question. Est-ce que euh, Coinhouse va proposer des fonds de type OPCVM. Euh, alors on a des projets en préparation, et euh, notamment un projet qui va s'appeler les allocations de Coinhouse, où euh, à travers un mandat de gestion, il sera possible euh, de euh, confier ces avoirs à Coinhouse, qui pourront les investir dans des portefeuilles type euh, que nous sommes en train de construire et que nous avons déjà construits de, de par le passé et qui euh, vous permettront de bénéficier de, de toute la connaissance de notre équipe d'experts pour pouvoir, euh, justement en s'appuyant sur tous les facteurs qu'on a pu vous décrire aujourd'hui, euh, pour avoir un portefeuille qui présente les, euh, les qualités optimales pour pouvoir euh, développer votre investissement. Oui, voilà un type de produit qui va arriver chez Coinhouse et qui change de l'achat-vente dans ses allocations. Vous allez d'ailleurs en avoir différentes qui vont s'adapter d'ailleurs au profil de risque de votre profil de risque en tant qu'investisseur. Certains seront plus défensifs, d'autres seront plus offensifs et incorporeront plusieurs plus ou moins de cryptoactifs et s'exposeront plus ou moins au marché pour correspondre au mieux à ce que vous attendez ou la performance que vous recherchez. Donc voilà, nos équipes elles travaillent d'arrache-pied pour développer ces nouveaux produits. Voilà bah, je pense qu'on a fait le je pense qu'on a fait le tour, on a répondu à pas mal de, de questions. Euh, J'espère que cette session qui était différente des, des, du premier rendez-vous vous a plu. On a fait une approche plus globale. On essaie de vous présenter des choses à la fois donc sur le fondamental, sur la technique. Euh, et bien sûr, bah, on, va, on vous retrouvera euh, l'année prochaine, maintenant euh, en début d'année, on refera un rendez-vous. Vous serez tenu euh, informé euh, par nos canaux habituels comme d'habitude prochain rendez-vous qu'on fera avec Manuel toujours avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.